Okay. Et donc sur une scène, c'est pas le même concept. Tu peux pas faire les mêmes tours. Tu peux en faire quelques-uns, mais bon, faut que la personne elle voit, faut qu'il y ait une caméra avec un écran derrière pour que tout le monde puisse voir dans la scène. Ah oui, c'est vrai. Ça demande plus de matériel. Faut que t'aies un grand écran. C'est pour ça. Ouais. Un peu, tu sais, comme quand tu vas à Bercy voir un artiste qui va en mettre 70 et derrière. Et moi, je préfère, c'est vraiment sous les yeux. Ça, on peut pas, parce que avec les sur la scène, t'as des jeux de lumière et tout. Ouais, c'est vrai. Tu peux tricher plus facilement. En face. Ça a plus d'impact, je trouve. Ok, c'est cool ça. Et là, c'est quoi que tu veux faire comme tour? C'est, je vois que t'as ramené plein de trucs, donc je me demande si tout ça c'est pour les tours ou si c'est attirer. Ouais, justement, tu commences à nous perturber avec plein de trucs, ça sert à rien. Comme ça, on regarde des trucs pour se demander. Non, c'est un tour avec un paquet de cartes et une prédiction. D'accord. Est-ce que, du coup, c'est celle-là la caméra qu'il faut bouger hein. Alors, attends. Je vais essayer de. Tourne la. Ouais, c'est normalement, moi, tu peux déjà la bosser. Ouais. Faut qu'on voit. Ouais, c'est bon. Vous savez ça. Comme ça, c'est bon. Ok. Normalement, t'es à côté de moi, je vais te le faire en face. Ouais. Donc c'est simple, je vais te montrer des cartes. Ouais. Comme ils font tous. La particularité de ces cartes, c'est qu'elles elles sont toutes différentes. Pique, c'est un cœur, jeu de cartes normal. Cœur, ouais, 52 cartes. Jusqu'à l'arrière, on a des prénoms de célébrités. Donc Brad Pitt, Morgan Freeman, Charlize Theron. Tout ça, tu pourras l'examiner. D'accord. Je vais te demander d'abord de me donner un chiffre ou un nombre entre 1 et 52. Là, la prédiction, on la laisse là. Elle ne bougera pas. Jusqu'à la fin. Ok, donc entre 1 et 52 ? Ouais. 28. 28, on ne change pas ? Non. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai pas choisi le mot relou. Tiens, 2, 3, heureusement que tu n'as pas dit 52 ou 54. 6, 27 et 28. Okay. Tout ça, c'est éliminé. Uh-huh. T'as pris 28 cartes. Ouais. Le but, c'est de trouver une carte et un prénom. Uh-huh. Donc, je vais en poser une comme ça, face prénom. Ouais. Et l'autre face en l'air. Jusqu'à la fin. T'aurais dit deux, on aurait eu Mel Gibson, Dame de Carreau. D'accord. Jusqu'à là, tu suis. Oui. Penelope Cruz, 4 de pique. Ouais. Je vais accélérer jusqu'à la fin. T'aurais pu dire moins. Faut que j'arrête quelque part ? Non, c'est bon, c'est tes cartes, t'as dit 28, donc ça donne le... C'est bon. On tombe sur Morgan Freeman et As de carreau. D'accord. À deux cartes près, tu serais tombé sur Jennifer Lawrence, As de pique. D'accord. Donc, Morgan Freeman, As de carreau. Ouais. C'est ton choix, t'as dit 28, t'aurais dit 29, ça a tout décalé. D'accord. C'est dit qu'il y avait une prédiction, là, depuis le début. Oui. Si on regarde, tu vois bien l'enveloppe, là ? Tu reconnais un peu la personne qui est là, déjà ? Ouais, c'est Morgan Freeman. Dans sa main, il a une carte, As de carreau. Ça, jusqu'ici, ça va. L'enveloppe, elle est vide. Mais la carte, c'est l'image. Parce que si tu fais ça, elle sort vraiment de l'écran. Et elle se matérialise. Tu peux tout examiner. C'est un truc de sorcier, ça. On m'a dit, viens à une radio haïtienne. Je me suis adapté. Oh. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est un truc d'habitude, ouf, je fais apparaître Morgan Freeman. Mais là, avec la météo. Comme par hasard. Le soleil. Comme par hasard. Non, mais c'est un truc de ouf, ça. C'est-à-dire que la carte était dans le truc, dans tu l'encadré peux tout blanc. Tu peux tout examiner. Mais non, mais. Prends ta côté, prends. Prends, tu t'as le droit. Donc, c'est-à-dire que la carte, en fait, était dans l'encadré blanc. Ouais. Ouais, elle était dedans. Parce que quand il a sorti la photo, j'ai vu. Même si j'ai pas mes lunettes, quand même. Et les vidéos qui prouvent. I'm sorry. Ouais. C'est un truc rien, de ouf. C'est pas truqué, hein. C'est un génie. Non, franchement, là, il nous a bluffé, là, tu sais, il a fait le grand. Moi, j'aime blanc, trop les trucs comme ça, moi. Ouais. Je savais que ça allait vous plaire, les filles. Non, des fois. Ah, c'est stylé. Ouais, mais moi ça m'intrigue trop les trucs comme ça. Après, en magie, souvent on dit aux gens qui voient que du feu. Parce que quand tu vois que du feu, tout à l'heure elle t'a dit. Tiens, j'avais des papiers blancs. Fais-la, Gwenda. Fenchy. Tu vois, ça c'est la monnaie numérique de 2023. Mm-hmm. Les papiers blancs comme ça. En fait, quand tu plies, tu peux faire ça et là t'as les billets. Oh, de ouf! Voilà, c'est ce tour-là que j'arrive pas à comprendre. Donc ça me rend dingue. De moi, c'est ce tour-là qui m'intéresse le plus. 25, tu peux garder la monnaie ou pas. Mais comme tout à l'heure, tu parlais de nos collègues congolais. Ouais. Et dédicace à eux, on fait du blanchiment d'argent aussi. Ouais, nous aussi, on fait un peu. Oh là là. Donc, ils transforment. Non, mais. C'est blanc. Fais voir l'autre côté.
C'est que du papier blanc. Non, franchement, là j'ai vu Wellou. Franchement, j'étais juste à côté de toi, Wellou. Mais faut redonner des billets, pardon. Non, faut, quand tu fais le billet dans un sens, il faut pas repartir de l'autre côté. Regarde, là, il vient de le faire vite fait, là. Oh, une seconde. Les 5 balles. Bah oui, du coup, t'as perdu, donc les gardes, c'est 5 euros. Ouais. Et je vais pas bien dormir. Ça. Non, mais attends, c'est un truc de ouf, ça. Ouais. Ça m'intéresse. Quelle est la réaction des gens quand, du coup, bah, la même que nous, je suppose, mais est-ce qu'il y en a qui te disent, peux nous apprendre à faire un tour, ou est-ce qu'il y a un tour... Après, tu sais garder un secret. Oui. Moi aussi. Ça, c'est un magicien qui m'a dit ça quand j'étais petit, j'étais dégoûté. Allez, ça, c'est vrai. La réponse. Bah ouais, non, mais il a raison. De ouf. Il a raison. Bah, c'est son business. Hein. Est-ce que tu donnes des cours? Non, parce que je pourrais. Non, mais par exemple, à des plus jeunes ou à des enfants qui Non, veulent... je savais pour projet de faire ça. Ouais. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a des profs qui donnent des cours. Mmh. Et c'est mais normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Faut c'est pas donner des cours. Non, c'est pas bien. Quand ils apprennent, c'est un cercle entre magiciens après. C'est ça. Donc, mais bon, moi j'ai appris tout, VHS, DVD et tout. Ouais. Seul. Non, mais c'est ouf. Moi j'aime trop ça. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est ton ampoule. Je vois l'ampoule depuis tout à l'heure sur la table. Quelle ampoule ? Non, mais il va te dire qu'il a le courant et que c'est EDF, le mec. Non, mais si tu fais des trucs sur la table, faut me dire, comme ça je mets la caméra en bas, sinon on voit pas. Ah, tu vois d'ici ? Ouais. C'est que, est-ce que ça c'est déjà arrivé à une personne d'entre vous de toucher un caddie, une personne, et se prendre un coup de jus ? Oui, ça m'arrive tout le temps. C'est chiant. Ouais. C'est pourquoi t'as ça ? Non. Parce qu'en fait, le corps humain, il est fait à 90% d'eau. Elle est en panique à côté. Bah ouais, parce que j'ai confiance en lui. Mais le truc de prendre un coup de jus, ça me déplaît déjà. Potentiellement. Moi, je te rassure. Y a pas de danger normalement. Faut pas tuer quelqu'un, pardon. Non, je mets le plastique. Donc, juste pour le radio, quoi. Le plastique, c'est un isolant. Trop d'intensité entre en nous. En fait, le but, c'est de voir si t'as assez accumulé de courant en toi. Oula. Aujourd'hui. Donc, tu vas tenir mon coup ici. Ouais. Ok. Là, tiens, tu vois ou pas, pas. Mais rapproche-la de toi parce que sinon on te voit pas. Voilà. Ouais. Tiens. Ok, ouais. On voit pas. Alors, attends. Là. Fais l'inverse. Là. Encore. Mets les queues à deux sinon. Comme ça, on va. Attends, on va vous mettre à deux pour qu'on voit bien, sinon ça va être compliqué. Bon. Donc là, si je tiens là, c'est là, bon, enfin, tu vois. Sécurisé, voilà. Ouais. Normalement, si tu penses fort qu'elle s'allume, tu pourras l'allumer. Pense-y fort. Mais il y a des gens qui y pensent tellement fort qu'il est gris, donc pense que tu l'allumes seulement. Et là, normalement. Et tu penses pas assez fort. Elle est en panique en fait. Non, mais je suis en train de réfléchir. Ouais, mais grave, parce que elle est comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que des fois ça va vite. Non. Oh, moi j'ai trop d'électricité dans mon corps. Moi, j'ai peur. Regarde l'ampoule. Pense à quelque chose qui t'énerve. Pense à moi. Elle va rigoler là. Voilà. Et là, l'énergie. Voilà, tu vois, moi ça c'est le genre de truc. J'ai pensé à toi. Ma vie, j'ai pensé à toi, Francky. Tu vois, on t'a dit pense pas trop fort du coup. Ah ouais. Voilà, ça c'est Francky. Je viens d'exploser une ampoule, voilà, en plein direct. Ah, tu m'aimes pas, ça se voit. Et Francky, je déteste Francky. Hein. Donc, ouais, elle est ça. Bien brisée, elle est bien cassée. Ouais, bon, bah, j'ai bien fait de poser la question. Ah, ouais, ah oui, c'est pour ça qu'il y a la pince, tu vois, parce que si ça éclate au moins. Oui, bah oui. On t'a dit de penser doucement toi aussi. Oui, mais tu sais, j'ai jamais faire les choses, tu vois, moi c'est elle tout. Elle a pensé autant de route. Elle a pensé à Francky. Elle a pensé autant de la route. Bah oui, on a déjà allumé, t'éclates tout. Bah excuse-moi, je fais ce que je peux. Ça va, c'est un peu de douceur, quand même. T'es pas dans une mesure, toi. Non, bah attends, il fait le malin. Oh là là, mais moi, c'est trop bien. Ouais, grave. Je suis comme une enfant, moi, j'aime trop les trucs. Est-ce que t'as des projets qui arrivent là ? Ou des spectacles ou des trucs. Spectacles, t'as des. Bah, pas des scènes parce que t'en fais pas, mais du coup, est-ce que t'as déjà des plateaux où t'es attendu ou des restaurants dans lesquels tu joues ou dans des soirées? Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens. Pour le moment, y a pas, je peux pas les citer parce que c'est pas encore, mais. D'accord. Ça sera. Tout sera sur Instagram. Donc on fera tourner quand il y aura les trucs sur Instagram. Donc t'as des trucs prévus, mais tu peux pas encore en parler, c'est ça? Ouais. Tant que c'est pas. C'est toujours. Ouais. Ok. C'est en Île-de-France? Île-de-France ou même ailleurs, je me déplace. Et si jamais, bah voilà, en parlant ça, voilà, si jamais quelqu'un veut faire une soirée et qu'il a besoin de quelqu'un comme toi, comment ça se passe? Ils peuvent te contacter sur Insta? Sur Insta, après moi je contacte, j'ai un manager qui est écrit sur la bio. Ouais. Donc
de SPI 93. Oh. J'ai un agent aussi, sniper. On connaît très bien de SPI 93. Attends, de SPI. Hein? Ouais, de SPI. On connaît très bien de SPI 93. Oui, oui. Sérieux? On connaît très bien de SPI 93. Non, parce que justement, je me suis dit, hein? Bah, ah, c'est de SPI. On le connaît très bien. On le connaît très bien, de SPI. Il est venu plusieurs fois à la radio. Pas mal. Et du coup, c'est un ami lui à aussi. Marc. Ah, d'accord, ouais. Marc Kinley. Marc. En ce moment, il lance son frère. Le petit Suisse. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Ah, de SPI, il fait ça aussi. Il est manager à la base, maintenant. Depuis. Ouais, manager d'illusionniste, ok.